I think that the whole reality TV show aspect of the American elections has to do a lot with the Electoral College. Une chose que je trouve très difficile à propos du culture politique aux États-Unis est qu'il est souvent impossible de se mettre d'accord avec les gens qui ont des opinions politiques différentes, même sur les faits. De plus, on évite de parler de l'élection avec les gens qui ont des avis différents pour éviter les désaccords. Et par conséquent, je trouve que c'est très difficile de faire des progrès. I think that the whole reality TV show aspect of the American elections has to do a lot with the Electoral College. So this whole winner-takes-all system of a state is what turns the American elections into some sort of video game in which you have to get every single important state in order to get the total number of Electoral College votes to win. This sort of suspense would not exist if this Electoral College system did not exist, and so that's why it's like that. Je saurais pas vous dire si ça a été la plus acérée ou la plus violente, mais toujours est-il qu'elle a pris des portions assez inédites, et surtout ce qui s'y est dit et la forme, en fait la manière dont ça a été dit, a été extrêmement relayé, et il y a un certain nombre d'observateurs politiques américains en fait qui s'accordent à dire que c'est inouï, et surtout qui sont assez consternés par la tenue du débat qui a été voilà, qui n'a pas respecté du tout le protocole, les circonvolutions qui sont très propres à l'exercice de l'échange politique. Et d'un autre côté, vous avez également des observateurs qui, eux, sont un peu... partagent un avis un peu différent, puisque eux estiment en fait que ça a fait du bien, que ça a revigoré le débat politique présidentiel américain, puisque pour une fois, en fait, il n'y avait pas de circonvolution et de langue de bois qui était vraiment propre aux hommes politiques. Cette majorité silencieuse aux États-Unis, il est assez ancien déjà, il ne date pas de Donald Trump, c'est pas Donald Trump du tout qui en a la parenté, puisque déjà à l'époque, en 1968, c'est Richard Nixon qui l'emploie, et quand Richard Nixon a utilisé ce terme de majorité silencieuse pour essayer de rallier une base qui était donc sa, la base qui lui était favorable, c'est-à-dire la base électorale blanche qui s'est tue jusqu'à maintenant et qui a été mise, renvoyée dos à dos et mise en opposition avec, dans les années fin des années 60, début 70, qui a été mise en opposition avec la jeunesse très libertaire et qui était opposée à la guerre du Vietnam. En fait, sur ce sujet précis de la guerre du Vietnam, Richard Nixon en a fait appel à la majorité silencieuse. Et on constate donc que Ronald Reagan l'a fait également par la suite, mais aussi Donald Trump, donc, qui a fait appel à la majorité silencieuse en disant que c'était qu'elle devait se manifester, qu'elle ne devait plus se laisser faire et ne plus se laisser écraser par le joug de la tyrannie des minorités. One thing that international students might not understand is that if Joe Biden does not like live up to anything beyond what Obama did during his years, I think Donald Trump or anyone in his family could easily come back and win in 2024. So I don't you definitely haven't heard the last of the Trump family. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que le Trumpisme, lui, et les idées qui l'ont porté au nu, et tout ça qui fait clairement écho aux théories diffusées par ce qu'on appelle l'alt-right aux États-Unis, donc qui n'est ni plus ni moins que l'extrême droite, eh bien, elle, en fait, cette base électorale est toujours là. Donc c'est la mort, entre guillemets, potentielle, et c'est la mort actuelle, politiquement, de Donald Trump, mais ça n'est pas la mort du Trumpisme.